ressortissants avec nous ici en Côte d'Ivoire et à tous nos frères et sœurs de la diaspora, à tous les amis du groupe Info Gagna qui nous suivent 24 sur 24 et 6 jours sur 7 jours. Nous sommes à notre belle émission intitulée « Au cœur des artistes ». Et aujourd'hui, le groupe Info Gagna reçoit sur son plateau une artiste musicienne talentueuse qu'ensemble nous allons non seulement faire sa connaissance, mais ensemble nous allons découvrir toutes les qualités de sa belle voix. Bonjour madame. Bonjour monsieur. En tout cas, soyez la bienvenue sur ce plateau intitulé « Au cœur des artistes musiciens ». Nous allons échanger et je pense bien que vous allez donner raison à Info Gagna de vous avoir invité sur ce plateau et tous les ressortissants qui nous regardent par le monde et les amis du groupe Info Gagna vont aussi découvrir vos beaux temps. Merci. Comme je le disais, nous sommes à l'émission intitulée « Au cœur des artistes ». Et aujourd'hui, le groupe Info Gagna reçoit sur le plateau de cette émission cette belle dame que vous regardez. C'est une artiste musicienne, comme je le dis, talentueuse. Alors, madame, encore une fois de plus, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu favorablement à cette belle invitation. Et le groupe Info Gagna vous informe que c'est une émission qui consiste à faire la promotion de toutes les valeurs culturelles. Ouais. Alors, la première des choses, allez vous présenter à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Vous allez vous présenter à l'état civil et puis votre nom dans le milieu du showbiz. Ouais. Allez-y. Bonjour, chers parents. Mon nom à l'état civil, c'est Kanlia. Je suis de Bangolo. Et mon nom d'artiste, c'est Chris Favreur. Je suis chanteuse. Ok, donc comme elle a dit, elle est de Bangolo, donc je vois déjà que tous les ressortissants de la diaspora à Bangolo et ici en Côte d'Ivoire sont en train de vous suivre en direct et ils veulent vraiment savoir, vraiment, ils veulent déjà commencer à goûter. Alors, elle c'est Christ Faveur, comme vous l'avez dit, c'est ça, oui, Christ Faveur. Christ Faveur, c'est son nom d'artiste dans le showbiz musical, Christ Faveur, vous allez dire un bonjour à tous ces ressortissants de Bangolo, du Diokoué, en tout cas du Guémon et du Kabale, et surtout à tous ceux qui vous suivent directement. Vous allez leur donner un très bon morceau en acapella, juste pour leur dire un bonjour. Allez-y. Naye Jesus se po ni enenu na jebo na jebo do de do so na blo na ja mo no ju anu do da o blo ada wa se o go ni po ya blo ada o da ke ani kun de blo ada wa se le bo ti bi o bo blo ada o se o ni enenu Daniel de sa wa po play e mo de se Jesus ju e mo na play bo na yen da ya mu go se ni enenu sa wo pla di wa na je po a me de se yo ni mo go ni kun en se ji da blo ada wa se o le bo ti Merci, vraiment fantastique. Écoutez, je porte un peu mes vins parce que, comme je le dis, c'est vraiment fantastique. Vous voyez, quand la femme vraiment chante ou engage une musique, vous avez la chair de poule, vous avez la passion même d'écouter la musique. Et puis c'est cette passion qui me fait porter un peu les vins. Je les réchange encore pour que nous voyons encore mieux. Vraiment, vous êtes fantastique. Vous êtes vraiment fantastique. Alors vraiment. Écoutez, vous avez séduit l'Europe, vous avez séduit l'Amérique, vous avez séduit toute la Côte d'Ivoire. En tout cas, vous avez un message très fort. Je crois que Simon Bosson, qui est le président des artistes du Guémon, et puis Claude Romy, qui est le président des artistes du Kabali, je pense bien que vous êtes en train de nous suivre en direct. Ensemble, on découvre la belle voix de Christ Faveur. Christ Faveur, est-ce que vous avez déjà quelques albums sur le marché? Il veut dire Dieu est déjà avec 8 titres qui est sorti le 5 novembre 2016. Fantastique. Alors donc c'est dit que Christ Faveur que nous écoutons, elle a déjà un album déclaré au Burida. Ce qui veut dire que Christ Faveur fait partie des artistes professionnels.
des artistes professionnels, c'est-à-dire des artistes reconnus par le Burida. Et quand tu es reconnu par le Burida, tu es reconnu alors par le ministère de la Culture et de la Francophonie. Ça veut dire qu'elle est reconnue par l'État de Côte d'Ivoire comme étant une artiste, je dirais une artiste professionnelle, une artiste confirmée. Alors, à partir de cet instant, d'ailleurs, même, ça veut dire que Chris de Faveur peut voyager de par le monde parce qu'elle a sa carte de Burida. Alors, vraiment, nous sommes encore très heureux que vous soyez parmi les artistes professionnels. Alors, autour de cette joie, vous allez encore donner un deuxième a cappella, un deuxième morceau, encore franchement, pour séduire encore tous ces ressortissants. Ouais. Allez-y. Oh, vraiment, vraiment, voilà. Voilà, Lebassé, depuis l'Europe, tu m'as dit, Info Gagna, on a besoin aussi des femmes sur le plateau de l'émission, au cœur des artistes musiciens, ouais. Et puis voilà, on a une femme, tu as eu raison de le dire. Et puis, la maman Béatrice Tiekouraga, Gégette Mandioba, Master Kicker, Victoire des Dieux, Chivas, en tout cas, vous êtes vraiment nombreux, Zion Richard, et puis voilà. Et puis aussi, je peux dire le Coco Mawa, le président Théo Béni Pénan, je peux parler par exemple de Mikodor, Alice Desblancs. Femmes, nous sommes en train d'aller très très loin avec les femmes. Très loin avec les femmes. Elle a donné un deuxième morceau en a cappella et puis le temps de souffler un peu. Alors, Chris Faber, en quelle année vous êtes entré dans le showbiz musical, ouais? Le showbiz, vraiment, il y a très longtemps. Depuis 2007, je suis inspiré pour entrer dans le showbiz. Mais vraiment, c'est en 2016 que Dieu m'a ouvert les portes. Très bien. Donc, vous avez démarré l'inspiration a démarré en 2005. En 2007. Et puis, on peut dire que c'était le stade d'un rêve d'abord qu'on était en train de concevoir, et puis en 2016 ce rêve a côtoyé la réalité. C'est vraiment fantastique, mais ça avait beaucoup de patience quand même, hein. De 2005 à 2016, il faut être beaucoup patient. Mais quels sont ceux qui aujourd'hui parmi les artistes du Guémon et du Cavalier qui sont de votre génération? Dans le milieu actuellement, j'ai des parents, des grands frères, des mamans qui m'aiment bien. Mais ma génération, vraiment, je n'ai pas encore. Ok, très bien. Alors, nous allons vous demander ensuite, en tout cas, dites merci à certaines personnes. Il y a certaines personnes à qui vous voulez dire merci. Et puis, elle ne pourra pas citer le nom de tout le monde parce que nous sommes à une émission qui ne dure que 15 minutes. Alors, donc, elle va dire merci juste à quelques personnes. Allez-y. Merci. Anguéré, surtout. Anguéré. Moi, je suis en faveur, 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 je suis en faveur. Même si on a dit que je suis un homme,
En tout cas, amen, amen, amen. Et puis voilà, elle a lancé un message très fort au-delà de, des remerciements. Elle invite vraiment les uns et les autres à oublier tout ce qui peut constituer des sentiments de rancune, de méfiance, de calomnie, de dénigrement. Et puis, il faut cultiver le vrai amour entre les ressortissants, ouais, pour être un peuple fort et dynamique. C'est ça votre message, en fait. Merci bien, Christophe Faveur. Nous sommes vraiment très fiers de ce message que vous avez transmis à tous ces ressortissants qui vous écoutent. On sait bien, on pense bien que ce message est rentré. Alors, Christophe Faveur, vous êtes dans le milieu du showbiz, ouais. Vous avez quelques déceptions. Il doit y avoir quelques déceptions quand même. De quoi? Oh, dans le showbiz, dans le showbiz. On peut, vous êtes déçu un peu de quoi? Le monde n'est pas encore de déception. Alors, qu'est-ce qui est vraiment intéressant dans le milieu du showbiz, ouais? Dans le milieu, bon, d'accord. Ce qui me plaît d'abord dans le milieu, ce qui me donne encore plus de force, c'est l'amour. Vraiment, les artistes, ouais. L'union, d'abord, compte beaucoup. Et vraiment, je remercie le président Simon Bouzon pour ce qu'il fait. Et ce qu'il a commencé, qu'il va terminer au nom de Jésus. Amen. Et je prie pour que Dieu nous donne vraiment l'amour. C'est l'amour qu'il nous a donné, que ça continue comme ça. Et vraiment, je vous dis merci aussi parce que ce que vous avez commencé aussi, j'ai prié Dieu pour que Dieu vous donne beaucoup de succès, pour que vous nous aidiez sur ce point. Ok, merci bien. Alors, Simon Bozon dit qu'il n'est plus d'accord contre les prestations qu'on fait dans les maquis et qui ne rapportent vraiment rien du tout. Alors, pour Simon Bozon, l'artiste doit vivre de son art. Il est inconcevable qu'un artiste va dans un maquis, il fait prestation et il ne peut même pas avoir 1000 francs. Alors, que pensez-vous de ce décret que va bientôt prendre Simon Bozon? Sur ce point, vraiment, je suis d'accord avec le président. Parce que moi-même, d'abord, je viens de commencer, mais je refuse ça. Tant qu'on ne m'a pas invité quelque part, je ne vais pas là-bas. Et d'abord, pour le respect d'un artiste, il faut vraiment ça. Alors, je l'encourage. Antoine, très bien. Alors, ressortissant ouais, d'ici et d'ailleurs, nous vous disons que pour tous vos événements, mariage, cérémonies artistiques, en tout cas pour tous vos événements, quand il dit événements, des événements malheureux, des événements heureux, Christ de faveur, Christ faveur est à votre disposition 24 heures sur 24. Bon, n'exagère pas quand même, à des heures où elle dort. Et puis, bon, elle est vraiment à votre écoute. Surtout, elle ne se déplace pas comme ça. Il faut au moins l'appeler. Quand vous l'appelez, elle n'est pas difficile, elle n'est pas compliquée. Elle répond à votre appel. Mais sans appeler comme ça un artiste, il se lève et puis il vient comme ça dans un événement. Tout ça, vous voyez que ça ne fait pas beau. Hein? Ça ne fait pas beau pour une bonne carrière. Je pense que le message est passé. Christ faveur est là. Vous avez écouté, vous avez vu comment elle peut vraiment vous satisfaire quand vous avez vos événements. Et puis, Madjoba Georgette, tu l'as écouté aussi. Béatrice Gard, tu l'as écouté. Maman Max Tucker, tu l'as écouté. Victoire de Dieu, tu l'as écouté. Shiba, toi-même, tu as suivi avec nous. Et puis, tous les ressortissants, ouais, ici en Côte d'Ivoire, vous l'avez suivi. Et c'est encore rien. Alors, nous allons souffler un peu. Christ faveur, on va souffler un peu. Vraiment, on va souffler un peu parce que les gens, je sais qu'ils sont en train de se dire, oh, mais il faut faire la chanter encore là. Alors, donc, donne-leur encore un autre morceau en acapella. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Si un manioc n'a soit, ouais, manioc, Jésus. Si un manioc n'a soit, oh, que la coin est manioc n'a soit, oh, m'en blessé, manioc. Boye damu e kwa e manya o, boye blie si e manya o, boye na kwa e manya o nyoso o. Si e manya o deyo, si e manya o nyoso o, si e manya o a o, si e manya o nyoso o. Ale mamble nyoso a o, ale mamble ge a o, ale mamble nyoso ya o, si e manya o nyoso o. Très bon, je suis vraiment fier. Et puis voilà, comme vous l'avez vu sur ce plateau de l'émission Au cœur des artistes musiciens, où nous avons reçu une artiste musicienne professionnelle, talentueuse,
déclaré au Burida, reconnu par le ministère de la Culture et donc reconnu par l'État de Côte d'Ivoire. Elle peut voyager de par le monde et puis en Côte d'Ivoire, elle est à votre disposition. Alors, ressortissant, ouais, c'est sur ces belles notes que nous allons nous séparer et nous disons merci d'avoir suivi cette émission et nous sommes à la prochaine.